Bah, ça tombe bien, j'ai faim. Hop. Je vais dépouiller les cadavres. Ok, donc toi. Je vais parler à Raymond. Ok. On va regarder le suspect, le boucanier. Ok, ça. Ok, très bien. Raymond. Non, ici. Ok. C'est tout? Je vais passer par la sortie. Peut-être que ça va débloquer la porte. Et que je pourrai y rentrer une autre fois. Hop, ici. Dors. Chevalier de l'ordre, hein, serviteur, je retourne voir ici. Il y a eu du grabuge, donc. Non, toujours pas. Donc d'ici. Porte du détective. Pauvre. Lui, c'est celui qui mange. Au coin de la rue, quelque chose a bougé. Sûrement. Donc si je regarde. J. Il trouve garde. Ouvrez à l'entrée. Ah, peut-être qu'il faut que je rentre dans les égouts. Allez. Voilà. Donc c'est pas ici. Mais je ressors, on sait jamais. Peut-être que ça a provoqué son apparition, je sais pas. Gargouille, est-ce que je peux déposer ici un truc? Rien du tout. Donc, garde de la cité, je dois aller voir Raymond. Salut, rebonjour, Sir Loïc. Bah, ça va toujours. Et toi? J'ai été surpris. Ah, il est là, Raymond. J'ai vu le prisonnier. J'ai vu le prisonnier. Okay. Il a été causant? Il n'a pas eu le temps. Vraiment. Bizarre. Boucanier a tout intérêt à faire disparaître la salamandre, à moins que j'ignore. Javed l'a peut-être effrayé, ou. Corrompu. À vérifier. Vous avez pu tirer quelque chose. Le prisonnier n'a prononcé qu'un mot. Kalksten. C'est logique. On a peut-être découvert un des. Je l'ai rencontré. Il n'a rien d'un criminel. Il faut suivre toutes les pistes. Au travail. Je vais en parler à mes contacts. Gardez un œil sur Kalksten. Quelle est la prochaine étape? C'est comme aller à la pêche. Je préfère la. Alors gagnez la confiance de Kalksten et parlez aussi à Boucanier. Mais attention, il n'aime pas qu'on le chatouille. Ouais, mais je sais pas où est Boucanier. On a plus que deux pistes. Parce que si je regarde. Ça va, je vois le CK2 en retard, mais je me suis. Ah, bah ben, franchement. C'est cool, parce que ouais, le CK2 est très bien, donc c'est cool que tu. Que tu. Tu t'amuses dessus. T'as
tellement de choses possibles que t'en as pour quelques bonnes longues heures. En plus, maintenant, il est gratuit. Sans les DLC, mais il est gratuit de base. Donc je pense que tu pourras avoir de bonnes longues heures d'amusement pour pas trop cher. Donc ici... De toute façon, il faut que je sorte. Je dois aller voir Kalkstein. Fesh. Ok, Loïc. Comme tu veux. Je vais essayer de le retenir. Je promets pas de le retenir, mais je vais essayer. Hop. Ici, Forgeron, Vivaldi, Kalkstein. À la base, je devais retourner dans les marais, hein, mais... Hep, hep, hep. On se réveille. Ok, je pourrais pas l'avoir tant que j'ai pas fini les missions pour lui. Ok, donc faudra que je... Pour ça, c'est... Et le boucanier, par contre, je sais pas du tout où aller le chercher. Forgeron. Chani. Tu sais, il y a un moment, j'ai joué juste le temps du didacticiel. Ah. Bah, tu verras qu'il y a plein de... tellement de choses à faire que... Il y a des parties qui peuvent être totalement what the fuck. Tu vas avoir des trucs qui n'ont aucun sens et c'est ça qui est très bien. Talar. On va l'esquiver. Par ici, ouais. Porte de la maison de Talar. Allez, Talar, parle-moi. Voyons les marchandises. Non, tu m'achètes rien d'intéressant. C'est quoi? Non, ça je la vends pas. Ouais. Ah bah oui, mais en même temps, ça, à mon avis, c'est un pseudo qui a déjà été pris et t'as des Loïc et tu mets 250 chiffres, enfin, des chiffres jusqu'à 250 facilement derrière. Si tu les alignes tous. Alors il fallait être le premier sur Twitch à l'avoir. Ça aurait été... C'est compliqué ça. Hop, t'as rien d'intéressant. Je me barre. Non, il est toujours pas là. Ah, mais... Je sais pas, il est quelle heure. Je vais essayer de dormir chez le chez Talar, tiens. Hop. Tiens, Talar. Je viens et je prends ton lit. Ça te dérange pas? Alors. Je vais dormir, mais je vais pas dormir longtemps. J'ai vu quelques let's play sur CK2, c'est pour ça que je l'avais pris. Ah. La bonne époque. Des gros let's play sur CK2. C'est aussi pour ça, moi, que je l'avais pris à l'époque. Enfin, que j'avais cherché à l'avoir. Et c'est hyper compliqué. Enfin, à ce moment-là, c'était beaucoup moins facile pour moi d'acheter des jeux sur Steam, tout ça. Et c'est à l'époque où The Fantasio avait fait une série dessus. Enfin, même des séries, il en a fait plusieurs. Et voilà, la bonne époque. Je vais d'abord aller voir les égouts. Par ici, les... ouais, c'est là. Il est pas là. Peut-être effectivement que je rentre. Sur Discord, je... Reste, reste, reste. Oui, mais non, je m'en fous du noyeur. C'est quoi? Entrée de la crypte des fidèles, mais j'ai déjà... On va regarder. Qui trouve un? Je dois retrouver mon employeur. Je trouverai à l'entrée des égouts. On va voir là-dedans. Alors ici. Il est pas là, hein, bien évidemment. J'ai souffert dans cette partie-là au tout début du live.
J'ai pas envie d'y rester. Donc c'est pas ici. Allez, dis-moi qui va être ici maintenant. Non. Gargouille, j'ai rien à mettre sur la gargouille. Pauvre. Au coin de la rue, quelque chose a bougé. Sûrement encore des monstres. Rapidement, tant que j'y suis. Un petit aller-retour. Regardez, le LP de Cléassim où il envahissait l'Europe avec un petit duché musulman d'Espagne. Ah. Je sais pas si je l'ai vu. Si c'est un récent, j'ai pas vu. Parce que, question de temps. Non, il est toujours pas là, lui. Mais j'ai vu qu'il avait refait pas mal, qu'il a fait encore pas mal de séries sur, sur CK2, donc. Mais c'est vrai que vu que c'est des longues vidéos, enfin c'est des longues rediffs qu'il fait lui aussi, je peux pas tout regarder donc. Il n'y a pas ici en dessous. Ah, c'est ça, c'est entrée des égouts, c'est ici. Hop. Mort. Il est mort. Allez, venez. Hop. Très bien. Là, normalement, j'ai déjà fait le vide dans cette zone. La semaine passée que j'ai fait ça. Ouais, j'ai déjà bien tout exploré. D'ailleurs, j'ai trois quarts de télésprit en attente. Ah bah. Il y en a certains qui sont aussi, qui n'ont pas été finis. Je sais plus te dire lesquels, hein, mais je sais qu'il y en a certains, j'ai pas été. Enfin, il y en a aucun qui a été jusqu'au bout. Certains où j'ai fixé mes objectifs, j'ai atteint mes objectifs, j'étais content. Il y en a d'autres, moi. Je pense que. Un de ceux qui m'a le fait le plus amuser comme ça, avec le recul, c'est celui où j'ai joué. Mince, c'est la religion lituanienne. Romuva. Et que j'ai fondé un empire qui s'étendait sur quasiment toute l'Europe. Et qui s'étendait en Libye aussi. Après, j'avais celui où j'ai fait l'Union Slave, mais je sais plus quel pays j'ai joué. Mais j'ai fait l'Union Slave, c'était sympa aussi. Pauvresse, non. Je n'y vois plus rien. Au coin de la rue, quelque chose a bougé. Sûrement encore des monstres. Si je regarde, je vais refaire un tour de mes quêtes. Osef. Je connais Poker. Tour mystérieuse. C'est en cours. Suspect. C'est le boucanier ou Kalstein, mais il faut d'abord que je parle au boucanier. On va aller voir les personnages. Boucanier ou. Bon quartier du temple. Quartier du temple. Ouais, oui, mais je sais pas exactement où c'est.
Peut-être aller en arrière. Ah, je pense savoir. Si, si, je pense savoir où c'est le boucanier. Faut juste que... Ouais, c'est bon, je peux sortir l'épée. Il va falloir que je tue deux petits comiques là-bas. C'est ça, c'est le videur. C'est les deux videurs que je dois tuer. Enfin un vrai repas. Alors là, ça m'a vraiment mis en colère. Ok. Ça m'a vraiment mis en colère. Très bien, on s'en fout. Hop, on rentre. Et on va voir le boucanier. Il n'est pas là. Il y a 5 ans, mais il a tout mis en privé. Ah, ok. Sinon, on fait quoi en ce début de live? J'essaie de résoudre les énigmes. J'ai plein de missions et j'essaie de remplir les missions. Genre là, je dois parler au boucanier. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on doit parler au boucanier? Bon, on va dans la maison du boucanier. Mais il n'y a personne dans la maison du boucanier. Je dois parler à Kalstein, mais c'est pas pour tout de suite. Je dois donc remplir les missions de Kalstein. Je dois essayer de trouver... un nain qui va m'aider pour un glaive, pour identifier un glaive. Et j'ai été à l'hôpital, ce qui m'a aidé. Donc après, il va un moment, il va falloir que je retourne dans les marais. J'ai essayé aussi de trouver Siegfried, qui est mon ami de l'ordre. Donc, qui devrait se trouver dans ici, parce que ça s'appelle le domaine de Siegfried, sauf qu'il est jamais là. Et ensuite, parce que c'est le truc du garde, mais sur la map c'est pour Siegfried. Et ils me disent pas où je peux trouver le boucanier, hein, c'est ça? Ok, et enquête, ensuite. Suspect, hein, son point en or, je dois retrouver celui qui m'a demandé d'aller abattre des monstres qui m'ont fait souffrir dans les égouts. Je vais le retrouver, mais je ne sais pas quand. Il m'avait dit au matin, mais c'est quand le matin exactement? C'est une longue question. Et c'est pour ça que je fais des allers-retours dans les égouts, parce qu'il me dit il sera dans l'entrée des égouts. Je cherchais déjà la semaine dernière. Oui, mais depuis la semaine dernière, il y a des choses qui sont développées. Par exemple, les golems qu'on a fait la semaine dernière, je sais comment les activer. Sans mourir, et en me prenant un éclair. Chercher déjà. Donc il y a des choses qui ont avancé un peu depuis la fois passée. Mais je pense que je vais de toute façon. Oui, Siegfried, je le cherchais. Donc là. Je vais aller voir à la taverne. Toujours quelqu'un à la taverne. Après le feu de camp éteint, je pourrais le rallumer si je veux faire une pause, enfin une veille. J'ai une douleur dans la poitrine. Et après je retournerai dans les marais donc pour... Parce que j'ai plein de missions aussi dans les marais qui se sont activées. Muneros Bruce, ok. Serveuse, tavernier. J'allais parler avec lui, là-bas. Toi. Ah, Pugilé Scorias, il n'y a plus de nom spécial. Là, je l'ai. Ma tête. Je lève ma chopée. Je vais m'en prends pas trop. Avec ça, je deviens le meilleur dragueur du pays. De toute façon, celle qui refuse, tu les frappes. T'exploser la tête. La dernière banque de la poudre pas chère. Ok.
Boucanier, c'est pas celui qui traînait en journée ici? Ah, c'est peut-être ça. Je peux pas t'aider pour les retrouver. Ouais, mais ça va passer, hein. C'est juste qu'il faut que je... Je pense qu'il faut que je veille encore un peu. Pour faire pas... Je vais donc faire passer le temps, essayer de... arriver au petit matin. Je dois sommeiller 2 heures. Et j'ai un talent d'argent. Ok. Il faudrait que je mette en quoi? Il faudrait pas que je mette en intelligence. Niveau 4 des signes. Rituel de purification. Améliore vos chances d'extraire des ingrédients. Explosif. Dextérité, ça fait quoi? Non, ce qui serait intéressant, c'est mettre en force. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais passer en force. Résistance au saignement, résistance au renversement. Plus de dégâts, plus de parade, plus de vie. Et ensuite, j'ai 3 points. 3 petits points ici. Ici, j'ai rien à mettre. Si, en intelligence, j'ai l'huile. Et ensuite. Ça. Je pense que je suis trop dans la nuit encore pour que certains personnages soient apparaissent. Là, c'est le début. D'abord, voir s'il y a mon employeur. Sinon, ce sera pour une autre fois. Non, il y a Botte Noire qui est là. Mais je vois pas celui qui pourrait être mon employeur. Parce que mon employeur, je l'ai trouvé ici, Commer. Avez-vous un... Oui. Il aime... Quand ça veut... C'est un... Ça, c'est Botte Noire, donc on s'en fout. C'est citadin. Ces voleurs de nom non. De devraient être expulsés de la cité. Engagez-moi comme écuyer. Pauvre. Ah, c'était escroc, voilà. Voilà, c'est lui. Une mission, moi. Voici votre bague. Voici votre... Comme prévu. Comment ça? Ce sont pas tes affaires. Une quête en moi. J'ai été dupé, ce n'est pas les souvenirs, on s'en fout. Donc ensuite. Zoltan, voilà. Un deuxième que je retrouve. Allez, monsieur toi. Mon ami nain. Que peux-tu me dire sur ce glaive en argent? Que peux-tu me dire? Moi? Shani affirme que ta connaissance des armes est sans égale. Voyons. Un glaive plaqué en argent, une base en acier. Conçu pour être tenu à deux mains. De la belle œuvre, mais loin d'être parfaite. C'est dommage. Pour les runes, c'est pas mon domaine. Merci. De rien. Tu as une minute. Qu'est-ce qui... Non. Je t'ai... Ben, adieu. Adieu. Hop. De première qualité. C'est pas vraiment ce qu'il a dit. Hein. Donc si je regarde, j'ai de moins en moins de quêtes. C'est une bonne nouvelle, ça. Donc là, on s'en fout. Je connais les bases, on s'en fout. Tour mystérieuse, c'est en cours. Vincent, non. Boucanier, c'est celui que je cherchais. Son point en or. Ça, il faut que je retourne dans les... Là-bas. Dans les marais, dans les marais. C'est en attente. C'est en attente. Temps de discuter avec Kalstein. Kalstein avec Raymond. Bon, on va aller voir Raymond, c'est ici. Hop. Ah, ils m'ont mis du sable dans la tête. Allez. Tuez-les, pas de pitié. Tu as dévié la salamandre. Ah, mais... Ils sont relous.
Je vais mourir. Voilà, je suis mort. Je suis mort parce que, bah, mauvaise caméra, j'avais pas de vie. On va recharger. Il y a une sauvegarde auto, j'espère. Très bien, une sauvegarde auto. Allez. On peut pas passer. Un de moins. Voilà, c'est mieux comme ça. Tac, un de moins. Voilà. C'est bon, il s'est remis en... il s'est relevé, il est en forme. Merci, je vous... Qu'est-ce qui s'est passé? La salamandre. Vous ne risquez plus rien. Ça m'étonnerait, il me suit. Qu'allons-nous faire? Je les mets sur une fausse piste et vous interrogez les nouveaux suspects. Qui? Prenez ces notes. C'est que comptez-vous faire? Ils sont sur mes talons. Il faut que je me fasse oublier. Je vais les attirer ailleurs, mais vous devez finir l'enquête tout seul. Ok. Ouais, simple déduction, logique. Suspect Levardon. Attends, j'ai combien de suspects là? Secret de Vizima, je dois interroger Levardon le marchand. Est-ce que tu... Non, t'as disparu, ok. Parce qu'il faudrait que je te reparle en fait. Fallait que je te parle de Kalkstein. Bon. On va aller chercher Levardon le marchand. Sont étranges. Hop. Je suis las de ne rien faire. J'ai hâte de me battre. Au diable la coexistence pacifique. Il est par là. Normalement, Levardon, il doit être ici. Non. Il est pas dans le coin, Levardon. Après, ils sont en train de se réveiller. Ah, il est là. Non, c'est pas... C'est juste un voyageur. Alors c'est Sagouin veut lui jouer. Très bien. Je retourne voir. Ou alors, il reste une heure. Est-ce que j'irai pas déjà dans les marais? Pour une partie de l'enquête. Bon, je vais voir s'il est à l'intérieur. Non, il est plus ici. C'est pas la bonne maison. Ok. Donc c'est ici. Est-ce qu'il est encore dedans? À l'étage? Non, il est parti. Suite. On va essayer de voir si... si Siegfried est là ou c'est le matin. Peut-être qu'il est, qu'il est dans sa maison au matin. Je perds mon temps. Et il est pas là. Armurier de l'ordre, c'est pas toi que je cherche. Je regarde. Donc, son point nord. Oh. Ouais. Je vais juste voir si Levardon est là. S'il est pas là, je retourne dans les marais. Et je repasserai une autre...
À un autre moment, chercher le Warden. Sinon, on va tourner en rond. Shani. Ah, Shani, je peux te parler peut-être. Il faut. De quoi donc ? Des gens sont morts à l'hôpital. Explique-toi. J'ai interrogé un prisonnier. Des voyous. Merci pour ta. Je fais de mon mieux pour veiller. À bientôt. J'ai bien fait de lui parler, du coup. Il ne pense qu'à l'argent. Viande. Mais donc j'ai pas plus d'infos. Je vais économiser d'abord. Mais genre le Warden il était ici je pense. Ils se ressemblent tous les marchands. Je suis sûr qu'un monstre m'aura dévoré avant qu'il ne trouve un remède. Ok. Après il y a plusieurs le Warden hein. Direction portail de la digue tout droit. On repart pour les marais. Oh là là, les vieilles. Elles ont toutes le même problème. Hein. Il y a un métier à se faire là-dedans. Un ostéopathe, un kiné, un médecin, un mage. Quelqu'un qui s'installe, il va devenir riche. Pas besoin de faire longtemps. Hop, batelier, tonneau. Marchand rédanien.